Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfunk pour un nouvel épisode de eShade. On fonce à toute berbère, à toute zinc, à toute berzinc, voir le petit bonhomme, petit peuple, le petit gars du petit peuple, du premier peuple. Allez Joe. Du coup où est-ce qu'il est ? Ah, il est au pilier normalement. Ok. Pardon. Quoi? Excusez, j'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose, visiblement. On l'a loupé. Je crois qu'il est là. Normalement. Pas de raison. Hop. On va aller à Navarre hein, du coup. À Navarro, on va faire une sieste, on va voir. On va faire défiler le temps. Jusqu'à que le petit bonhomme revienne. Petit bonhomme. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ma quête avec Finn elle a évolué? Un club exclusif. Ah oui, y a ça aussi à faire. Mais juste voir si... Les petites souris... J'ai eu un problème répulsif, j'aurais retourné voir Finn. Je vais patienter un peu avant de retourner le voir. Voilà. Hein? Proche à pied. Ah d'accord, ça a lâché mon vélo, comme ça. D'accord, gros style. Gros style, on sait pas pourquoi, mais gros style. Allez, go faire une sieste, je sais pas quelle heure il est, j'ai peut-être raté l'heure. Il est peut-être trop tard, il est peut-être trop tôt, j'en sais rien. Seule manière de le savoir. Going too fast. Le vélo, c'est la vie. Bienvenue à Nava. Hop là. Quelle heure il est? 23h. Ah, il est trop tôt en fait. Parce que normalement c'est minuit. Allez, on va se reposer jusqu'à minuit. Ouh, je suis à moitié dans le... tiens, comment ça s'appelle d'ailleurs? Je suis à moitié dans la partie haut du... dessus du lit. Il y a baldaquin. Je suis dans le baldaquin. Poète. Comme il est agréable ce jeu. Incroyable. Voilà, on le voit le petit bonhomme. Yes, salut petit bonhomme. J'ai ton tableau. Hello again, my sky friend. I hope you're well. I myself was just having a nice think under the stars. I was dreaming about what it would be like to live up here. It must be nice to always have the sky above. I do like home. The halls are warm, and everyone I love is there. The sky speaks to me. Have you had the chance to make a painting of the big city? Offre le tableau. Ah, it is beautiful. Your people's buildings are incredible. I am sorry, I don't have any of your kind of money. My people use something we call Egra. I don't know how it's called in your tongue. I'm still learning your language from Mudwillow. It is rock where animal has died. It is leaving like a print in the rock. C'est un fossile. Fossil. Yes, the fossil of a snail we use. What do your people use? Nous utilisons des lubigènes. Glowstones.
We have lots of this. The rock of our home is rich with them. I can give you. You know, I would really like if you came to meet my people. You are a nice person. I think meeting you would help them see that outsiders are nothing to be scared of. Will you come with me to meet my people? I can show you my home and get you some glowstones. Oui, ça me semble une bonne idée. Forgive me, but I'm going to have to ask to blindfold you. As much as I consider you a friend, my kin would not appreciate disclosing the way to our home. I will guide you. It's not far. Is that acceptable? Pas de soucis. Watch your step. Ah, nice. Alors, faut que je vous dise, j'ai cassé le musicien en plus, donc je gagnais pas de... This way. Inspiration. Not much further now. We have arrived. Please, wait here just one moment. I went ahead and told most of the others that you're coming, so they won't get too startled. I've let them know you're completely friendly, but some of my people may still be alarmed. Please, pay no mind to any strange looks. This way, if you please. Allons-y, c'est parti. Ah, ils ont des lumières dans les murs et tout. C'est un gros style. Je peux pas vous parler ? Ok. C'est une idée. Well, this is our home. What do you think? Oh, that will make us all feel very proud when I tell the others. I am glad you like it. We have been expanding for many generations now. We believe, as your own scholars do, that we Machra were indeed the first folk to settle here. Our legend has it that the great sea captain Ilanit and her crew landed here after being lost at sea for 1,000 days without food or water. Well, it's probably a bit exaggerated. But I do think Ilanit was a real person. And truly fearless. She braved the ocean, after all. I can think of nothing more terrifying than this. Si, j'ai bravé les océans. No, really? The sky speaks to me, but the ocean? No. Nous avons coulé juste avant d'arriver. Well, I'm glad you made it, so that we could find each other and become friends. Well, here is some glowstones. I hope that's sufficient. Je suffira largement. You truly am glad to have met you. You have taught me so much. I was thinking, one day I may want to go from here, go into the world, just to see. Do you think the Skyfolk would welcome me? Oh, sans aucun doute. Oh, that would be incredible. But I'm not ready yet. One day. I think your visit here will go a long way with my people. Now that they've seen you, a perfectly friendly one, it will plant the seed of acceptance. I dream that one day the Machra can be friendly with the Skyfolk. I feel both our cultures would be richer. Eh bien, écoute-moi aussi. Okay. I'll let you look around a bit. Then I'll take you back. Cool. Bon, à mon avis, on peut pas parler à grand monde. Hein. Oui, alors on fait peur aux gens. Écoutez, connaissez-vous la technologie de la cagette? Parce que si vous avez des cagettes, vous êtes mes amis. Ah ouais, non, c'est classe. Ah non, c'est classe. Bonjour.
Putain, ils ont fait un grand truc, hein. Bonjour. Ah, les instruments de musique. Nice. Je devrais peindre un truc comme ça. J'ai plein de tableaux. J'ai plein de tableaux. Moi, j'ai envie de peindre un truc un peu classe comme ça, là. Ouais, sans en voir les rebords. Ouais. Ouais. Je te dirais bien ça. Non. Touk, touk. Voilà. Voilà. C'est peint. Bah on peut y aller, petit bonhomme. Are you ready? Oui! Cœur de la nuit. Terminé. Nice. Farewell, J'ai des my Friends friend. of the First Folk. Succès déverrouillé. Les amis de la forêt. Nice. Ouais, premier peuple. Cool. Et il s'est écoulé un peu de temps, je pense qu'on va aller voir les nounours. Nos alchimistes. Ouais. Par contre, je vais prendre à droite. Là, je vais continuer tout droit, au lieu de partir à gauche. C'est parti. Normalement, ils sont à peu près. Wow! Dérapage incontrôlé et incontrôlable. Je coupe par là. Ah, ça coupe, hein. ça coupe sec. Hop là. Going too fast and too furious. Bah, je suis allé voir du coup la vieille pour lui vendre mes herbes rouges. J'ai fait un peu de thunes aussi, ça faisait plaisir. Yes. Bonjour grand. The shop is bustling. And we're getting along just fine now. Oh, to think it was just folks talking that drove business away all that time. Oh, je comprends bien. Hein. Voilà, je t'en achète une. Allez, salut, bonne journée. Ça, je fais fonctionner ton commerce. I'm so happy we've sorted all this out. I know we've done some questionable things, but we're turning a new leaf now. And I'm going to put together a kit of tinctures for Finn and tell him just what happened. We're going to be new people. Ouais, donc non, c'est toujours pas prêt. C'est toujours pas prêt. Très bien. Tac, je ressors mon vélo. Paf. Pif, paf, pouf. Hop. On retombe dessus. Ok. C'est parti. On va donc se rendre à Nava. Rendons-nous à Nava. Hop. On va couper. Ah, je vais couper comme un sac. Ah, je vais couper comme un sauvage. Ah, même pas. Ouais, je coupe pas. Et ça vient. Il est où ton vieux man qui est possédé? Là, t'as ton feu de camp. Avec de quoi cuire. C'était quoi le livre? Ponte de Folkangien. Ah oui, le hibou et l'ours. D'accord, la fameuse légende du hibou et de l'ours. Pas de problème. Ok. Très bien. Je sais pas ce qu'il est passé, ton dieu. Ouais. Avec des moutes-moutes. Et les moutes-moutes. Ah, où les moutes-moutes? Ah. D'ailleurs, est-ce que quelque part... des races hybrides comme ça, des métamorphes qui mangent des moutons. Est-ce que quelque part c'est pas un peu malsain? Est-ce que quelque part tu mangerais pas un peu un cousin arriéré? Grande question. Ouh, les textures n'ont pas chargé. Waouh! Ah, les textures n'ont vraiment pas. Ouh! Ouais, les textures ont oublié de charger. On a oublié de charger une ou deux textures, enfin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit tunnel qui est là. Là, too fast and too furious. Là. Ok, c'est compliqué, le plafond est bas.
Ça passe, ça passe, ça passe. Un petit chemin par là, hein. Je suis jamais... Jamais trop visité ce point-là. J'ai pas fait le tour, en fait, des villes. I'm going too fast. Nous y sommes. Yes. Donne-moi ça. Bonjour, monsieur. Password. Hey there. Bonjour, mon ourson. Ok. Rien. Les égouts. Rien. Eh bien, c'est le gros style. Ouah, t'as un mec défoncé man là. Regarde, y'a défoncé man. Je vais me foncer, gros. On joue aux auto-tamponneuses. Je pousse un peu, hein. Voilà. Parce que de toute façon, t'es foncé. Des... On suit un tes rêves. Des rêves d'argent. Un thé du rêve bleu. Toi. Alors, on va vérifier si je suis une artiste ou pas. Hein. C'est parti. Un thé des rêves et un thé des rêves bleu. Des rêves d'argent. C'est parti. Le bad trip. Le bad trip, ma gueule. C'est parti. Est-ce que ce monde est sérieux? Encore une fois! Ouais, c'est parti! Ouais, c'est parti, c'est parti! Hop là! Ah, il y a de la physique sur le poussin et tout! Ah, on voyage, hein! On voit des choses hein, grâce à la drogue. Ah, on gagne pas tant d'inspiration que ça à prendre de la drogue. Hein. Comme quoi, la drogue c'est bien, mais pas plus que ça. Thé du rêve bleu, c'est parti. On plane. On plane à max. Oh, avec des bons golfeurs partout. Ouah, c'est rigolo. Sauter, oh, on est beaucoup plus loin. Je vais tabasser un arbre. Ouais. Je pense pas que c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que dans les trucs qu'il fallait choisir, c'était pas la hache. Mais étant donné que j'ai perdu le pot, moi j'ai gagné un peu d'inspiration.
Ah, quand même. Tu tapais un trip, ça marchait. Donc ça, c'est le rêve bleu. Et ça, c'est l'argent. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais me refaire un rêve bleu. Voir ce qu'on peut tirer du rêve bleu. C'est parti, on y retourne. Quasi pas sauté. Enfin, ils ont laissé juste le saut pour dire c'était buggé dans une texture, tu peux bouger un peu. Ok, cette fois-ci on prend la cruche. J'ai presque envie de voir si on peut. J'ai presque envie d'y retourner pour voir si on peut et arroser l'arbre et l'abattre en fait. Si on a le temps de faire les deux, ça serait monstrueux. J'y retourne. Allez, je veux me défoncer. Hein. Je veux pas le savoir. Tiens, on va le boire tout de suite de toute façon à l'arrêt. Allez, c'est parti. Rêve bleu. Ah non, mais on profite, hein, on a le droit de planer. On est une artiste, on plane. On est allé loin sous terre, maintenant on a le droit d'aller haut dans les cieux quoi. Ça, c'est le style. Petit verre d'eau, c'est parti. Alors, la technique, elle est simple. On prend la hache. On va l'aider avec sa hache. On l'achète. Jette une hache ici. Ah, très bien. On retourne chercher notre peau. Du gros infini. Yes, bro. On y a lâche. Ah non, ça est toujours là. On va ça. Tiens, je te nique mon arbre. Tu vas faire quoi? J'ai fait les deux. Dégoûté. Bon, par contre, il a instantanément rapetissé quoi. Wow. Oh. Quoi? Ça veut dire que t'en as trop pris, gros. Quoi? Ah, j'ai débloqué genre comme si j'avais fait une double vision en fait. Ah, oh, je suis un génie. Bon, je pense qu'on pouvait peut-être attendre que l'arbre pousse un peu plus, mais bon, voilà, c'est rigolo. Ah, on peut déposer le thé en trop. Oh, mais non. Ah, bah, ce serait du gâchis. Bon, bah, on y retourne, hein. Écoutez, après tout, à ce qui paraît, le thé c'est bon pour la santé, on va pas se gêner, hein. À ce qui paraît, après je suis pas sûr que ce thé là il soit vraiment bon pour la santé, je suis pas sûr que ce soit le bon deal. Voilà. Mais vas-y, on aime le fun. On va refaire la même stratégie. On va faire le bûcheron et le pot. On va juste attendre que ça pousse un peu plus avant d'abattre le tout. Us. Bon, par contre sur l'animation ils sont pas emmerdés, il n'y a pas de main, il n'y a rien. Pas de... Bon, après voilà, je sais pas combien de jeux ils ont fait d'ailleurs, Eastshade, mais bon... Quand tu t'appelles Eastshade Studio et que ton jeu s'appelle Eastshade, il y a moyen que ce soit le premier jeu. Il y a gros moyen. T'es toujours écolo. Ok. Non, on verse pas ça. Regarde-moi ça.
Tiens, tiens, je te tabasse. T'es gros comme arbre, par contre t'es tabassé, tu vas faire quoi? Alors rebug. Est-ce que j'arrive à refaire? Ah, j'ai fait la double fin. J'ai refait la double fin. La double fin de l'arnaque. Allez, c'est parti. Le dernier thé de la défonce. Ça c'est trop bien, hein. Franchement, des trucs gratuits comme ça, de pour trouver de l'inspiration, c'est quand même top. Donc le petit jeu des coussins, c'est parti. La bat défonce. Ok. Hus. 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 Ah, c'est marrant parce qu'en fait dans ses souvenirs la souris elle est pas au centre. Enfin, comment dire, si j'avance tout droit en fait je décale à gauche. Les chutes du Niagara en mieux. Enfin, en plus hardcore, enfin graphiquement c'est chaud mais. Voilà. Voilà voilà. Ouais, quand ils veulent voilà, je leur fais la déco. Ah ça. Ah c'est marrant, en fait non c'est dans le jeu. Dans le jeu il y a un petit bug là en fait. Quand j'avance tout droit en fait, je pense que c'est un bug lié au vélo. Non. Prends-moi le vélo. Je suis débugué. Non, je suis pas débugué. J'avance à gauche. C'est rigolo. Est-ce que c'est lié à la défonce? Est-ce que c'est un bug? Tout est possible, tout est réalisable. Hein. C'est pas grave, on peut jouer comme ça quand même. Moi, je suis un fou. Moi, je suis un fou beaucoup trop chaud. Moi, j'ai envie d'aller voir les nounours, voir si s'ils finissent avec leur truc de fine là. Et j'irais bien revoir le gars au bord de la plage là avec son amulette justement. Si on peut, si on a accès à un petit texte supplémentaire pour lui dire ouais man j'ai essayé ta défonce, c'était de la botte. Tout ça. Bon là on est seulement en demi-journée c'est ça? Ouais c'est le moment de l'éclipse. Ok. Là pour si c'est le moment de l'éclipse. Welcome. Choix du sujet, voir si on peut parler de la drogue. Non, on peut pas parler de la drogue. Eh, regardez, on est vraiment penché quoi. Hein. Genre penché comme un fonce-dé. C'est rigolo. Ouais, je pense que voilà. On va refaire un petit tour de piste. On va dormir jusqu'à 10h30. On va cuver un peu cette drogue. L'abus d'utilisation de la drogue. N'oubliez pas, la drogue c'est bien si vous voulez être célèbre, jeune, beau et dynamique. Et après, c'est mal parce que ça te défonce et t'es mort. Et ça te pourrit le reste de ton existence. Ouais, non, j'ai encore une vision bancale, je crois que j'ai un petit bug de vélo. C'est un bug de mon vélo, j'ai l'impression. J'ai vraiment un bug quoi, vraiment je suis obligé d'avancer comme ça quoi, de côté. C'est très rigolo. Enfin c'est très rigolo, ça serait chiant aussi mais très rigolo quoi. Bon plein de petits bugs, hein. Ils ont fait une petite mise à jour. Ils ont gavé de bugs. Petit canaillou. Ah, je crois qu'il n'y a rien qui charge hein. Ouais ça m'en a tout l'air hein. Ça m'a l'air d'être un peu compliqué, je crois que le jeu m'a lâché. Regardez ce petit désert aride, la version post-apo. Ah, par contre on voit mieux les items à ramasser. C'est une bonne chose en fait. Regardez là-bas on voit qu'il y a une herbe rouge du coup. Mais mec, t'amuses bien dans ton monde post-apo?
Ouais, c'est protégé, ouais. Ouais, ouais. Ceci dit, on est à côté du fameux singe, on pourrait aller le voir. On pourrait aller le voir justement, voir si on a des dialogues supplémentaires. Débloquer avec lui, pas du tout. Ah, les textures sont parties en vacances, mais de folie quoi. Salut les mecs, ça roule. Alors est-ce que c'est ça le ultra basse qualité graphique? Ultra basse qualité graphique du jeu, voilà. La version post-apo. Oh, incroyable. Ça y est, on peut parler avec lui. Care to hear my song again? Ah, avec plaisir. Vas-y. C'est pas moi qui l'ai bugué, je crois qu'il est bugué tout court. Je pensais que c'était moi en faisant un thé, mais ça a pas l'air. Regardez, on voit, il y a une herbe rouge et un roseau à récupérer là. C'est incroyable, c'est super, on voit tout. Super. Et est-ce qu'au moins tu t'arrêtes de jouer et tu valides le truc quand même à un moment donné, ou t'es vraiment bugué? Pas forcément du coup envie d'aller beaucoup plus loin puisque j'ai peur de faire bugger d'autres personnages, et si on veut avancer dans la quête, bah vaut mieux pas trop les faire bugger. Ah, le mec n'est plus là du coup. Ça on sait maintenant, le mec n'est plus là. On aura moins appris un truc aujourd'hui. Mais eux, y a pas. Ça c'est la tour raccourcie vers Nava. Bon allez, on va quand même aller voir les nounoursons. Je pense que je vais sauvegarder à côté d'eux parce que... s'ils bug un peu... Oh, vraiment la version post-apo quoi. T'enlèves un ou deux arbres fleuris là avec les trous par terre. Mode post-apo. Si on pourrait tenter de recaler, parce qu'il m'a dit à une centaine de pas de lui, censé y avoir des renardos. Par là, c'est la cascade. Donc, je pense qu'ils sont par là en fait, ces renardos. Mais rien n'est sûr. Rien n'est moins sûr. Voilà. Désert quoi. Il n'y a plus de verdure. Hein. Je crois qu'il doit même manquer des cailloux, parce que je crois que je frappe contre, je me cogne contre des objets qui n'existent pas. Je récupère toutes les racines. Je récupère tout, moi. Il y en a besoin. Ça aussi, il y en a besoin. Ah, c'est dégagé un peu, hein. En tout cas, cette petite plante bleue là-bas, on peut zoomer dessus, hein. Ouais, ça a l'air d'être une... Ah ouais, j'ai vu qu'avec clic droit, j'avançais aussi. Ok. C'est-à-dire qu'on peut littéralement jouer qu'à la souris si on veut, quoi. C'est assez rigolo. On peut pas reculer, mais bon, on peut avancer avec clic droit. Happy weeps, and I'm going to put together a kit of tinctures for Finn and tell him just what happened. Toujours pas. We're going to be new people. Je vais être obligé d'aller le voir, moi, le gars. Je vais être obligé d'aller le voir, mais j'ai pas trop envie d'aller le voir comme ça. Parce que l'autre elle me dit qu'elle prépare un truc, donc ça m'embête un peu d'aller le voir. Il dit, mec, tu t'es fait arnaquer alors que l'autre est en train de préparer un truc. Des œufs et une herbe rouge localisée. Hop.
Ah, ça fait vraiment bizarre avec la vue de Traviole. C'est génial. Tout est super génial. Quand on a un jeu bien buggé, tout est super génial. Il n'y a plus qu'à recommencer. Voilà. Ah, on s'éclate. Hein. On se dilate là. Pourquoi ici il y a de la végétation, quoi? Ici il y en a un peu. Ailleurs tu sais pas, mais ici il y en a. Ouais, je pourrais te parler. J'ai envie de sauvegarder avant pour pas faire de bavure. J'ai envie de sauvegarder avant de te parler. Sauvegarder. Heidi ho! The great traveler returns! Yes! Were you able to get some repellent? Kai and Kaylin? Well, they would never. Oh, you're a good person, just looking out for me and my carrots. And I do have days where I wonder myself if I'm dreaming up the mice in my head. Never actually seen the little buggers. But them two? Positively impossible. Your heart's in a good place. You'll see, these mice will be out of there in no time. Oh well. Can't win them all, I guess. Hoo-wee! Special veggie stew. See you soon. Donc ça se termine comme ça. Ouais, bon. Bon, bah on va pas chercher plus loin de toute façon. C'est bugué. Donc moi je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Knarfang pour Eastshade. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.